Salut, salut, bienvenue pour ce nouveau live du jeudi soir. On se retrouve pour un labo as code, c'est-à-dire qu'on va faire joujou avec des machines virtuelles en réseau et avec de l'infrastructure as code et de la gestion de déploiement. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce soir. Est-ce qu'il y a déjà un peu de monde? On dirait. Hop. C'est plutôt cool. Ça fait un moment hein, qu'on n'a pas fait de labo as code. Donc, je sais pas vous, mais moi, je crois qu'on va se faire un petit récap un peu de là où on en est. Et puis comme ça permettra de revoir, de pouvoir partir sur des choses, je l'espère, qui seront intéressantes. J'en profite pour vous signaler que, comme d'habitude, quand je produis du code sur, comment dire, sur le stream, ce code est libre. Et donc, vous allez pouvoir retrouver une bonne partie donc de ce que je fais, eh bien sur mon GitHub. Et alors, c'est très simple, le GitHub, on va, hop, je vais vous le montrer, il est là. Donc le projet s'appelle Lab as Code et je vais vous le mettre tout de suite dans le chat, dans les liens du live. Et je vais aussi en profiter pour le mettre dans le canal Les liens du live sur le serveur Discord de la chaîne que vous pouvez normalement retrouver par ici. Donc, hop là, revenons là. Donc, ce lab as code, à quoi il ressemble si on essaye d'avoir une image qui soit un petit peu plus parlante? Eh bien, il ressemble à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, il y a une machine physique qui est sous mon bureau. Et cette machine physique, en fait, elle héberge tout ça. Tout ça en machine virtuelle. Et donc, on a des routeurs qui viennent délimiter des sortes de fournisseurs d'accès Internet. Et la connexion entre ces routeurs, en fait, on pourrait dire maquette, entre guillemets, une partie de l'Internet mondial et convivial. Et puis, j'avais commencé à mettre quelques services. On a du service DNS ici. Et puis, on a quelques autres serveurs. Hey, salut à toi, KamHQ. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Alors, premier live pour toi, tu pourras rester qu'un petit moment, mais c'est déjà très gentil de passer et de faire coucou, juste pour voir un peu comment ça se passe et pour faire un petit coucou au passage. Bon, écoute, c'est très gentil à toi, je t'en prie, installe-toi confortablement. Donc, nous en étions à dire que, voilà, on essayait de faire une sorte de petite maquette de l'Internet mondial et convivial avec donc des serveurs, par exemple, deux serveurs DNS. Et aussi d'autres serveurs qui sont là. On a d'autres machines là qui sont juste là pour comment dire, pour peupler un peu les réseaux. Et en fait, tout ça finit par être natté par un réseau virtuel de la machine physique qui fait du coup aussi office de routeur NAT. Et donc cette machine qui s'appelle Marvin, bah si je viens ici, en fait, j'ai pu m'y connecter à distance en graphique, en utilisant Virtual Machine Manager, et on peut voir, voilà, une partie de la, je dirais, de la liste de toutes les machines qui sont allumées. On peut le faire en texte, voilà. Là, je suis connecté en SSH sur la machine Marvin, et si je vous fais un petit sudo vir SSH list, puisque j'utilise donc QEMU KVM. Et ben là, on a une quinzaine de machines virtuelles qui tournent. Et si je fais un net-list, et ben on a une petite palanquée de réseaux virtuels qui sont activés. Alors le next default ne fait pas partie du lab. Maintenant, tiens d'ailleurs, je l'ai mis dans le dernier onglet. Ok. Hop, alors, hop, ça j'enlève. Voilà. Si je vais dans le repo en question, on avait dit Git. Hop. Et c'était le lab as code. Donc je vous ai filé le lien sur le chat. Et bien, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est aller dans le répertoire Terraform
Et ce que je peux tenter de faire, c'est d'abord un terraform init, on va faire un petit moins upgrade, mais normalement... Ah si, non c'est bon, tout est à jour, ok, c'est cool. Et je peux faire un petit terraform refresh, et je crois que normalement, il ne devrait rien se passer. Voilà. Alors, j'ai oublié de couper 2-3 bricoles. Hop. Normalement, quand vous voyez ma tête blanchir, ça veut dire que j'ai mis un truc clair sur l'écran. Faudrait vraiment que je trouve le moyen d'éviter ce genre de choses. Après, je peux pas trop le... Je sais pas comment essayer de changer ce genre de choses-là. Parce que déjà, quand je mets draw.io, vous voyez tout de suite flash. Ou alors, faudrait que j'aie une grande lumière blanche qui, dans tous les cas, vient me taper sur la figure. Mais ce serait peut-être un peu... Ce serait peut-être pas évident. Alors, donc là, la bonne nouvelle, c'est que ça... ça, c'est bon. Il a rien remis. Il dit juste, au fait, l'état est bon. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que ça veut dire que si vous avez une machine avec un libvirt dessus, et en partant du principe que vous avez assez de mémoire vive, vous pouvez prendre le même code et utiliser Terraform pour faire pareil, en fait. Et pour instancier vous-même votre propre variante du lab as code. Alors, on a une petite partie cloud init, puisque ça permet du coup de faire un premier provisioning des machines virtuelles. Et ensuite, nous avons une partie Ansible. Alors, si je vais regarder un petit peu plus ce qu'on a à ce niveau-là. On avait fait joujou d'abord avec... on s'est fait un petit... on avait fait des trucs de base. Et puis, on avait fait donc un serveur de démonstration. Ok. Je crois que la dernière fois qu'on avait fait du lab as code aussi, on était allé un petit peu plus loin. On avait voulu faire joujou avec du routage BGP. Vous voyez, là, il y a deux fois la même IP. Là, il y a un petit sous-réseau, alors que j'aurais peut-être dû aussi rajouter ici. Et en fait, on voulait essayer d'avoir le même sous-réseau qui soit sur les deux numéros d'AS. C'était pas ultra fonctionnel. Je vais laisser cette partie de côté pour ce soir, je pense. Pour une raison très simple, c'est que il se peut... Je dis il se peut, je dis pas que ce sera forcément le cas, que peut-être quelqu'un nous fasse un petit featuring à l'occasion pour qu'on fasse ça ensemble, pour qu'on fasse ça à deux. Voilou pour, faire le petit récap de là où nous en sommes. Et donc, pour le moment, si je vais jeter un œil dans la partie Ansible... Hop, et puis que je fais un 4 sur le web server, role. C'était du coup isp3vps1.example.com, donc c'est celui-ci, sur lequel on avait installé un serveur web Nginx, et sur lequel du coup on avait déployé un site web. D'ailleurs, on va essayer de se reconnecter à tout ça. Et si je me rappelle bien, on avait fait quelques petites bidouilles en mode tunnel SSH. Donc je pense que je dois pouvoir me connecter sur un ISP1 VPS1. Hop, ISP1 VPS1 directement depuis ma machine de stream. Voilà. Et il a le DNF make cache qui a fail. Bon, c'est pas dramatique. Hop, on se fait un petit Emux. Petite history, voir un peu qu'est-ce qu'on avait fait de beau. Et du coup, si je tente un ping, tiens, juste un ping vers l'ISP4 VPS1, est-ce que ça passe? Non, il connaît pas les... Oh, il connaît pas. Pourtant, ah oui, Resolve CTL, on y croit. 10.053, est-ce que tu ping, toi? Oui, tu ping. Et si je fais un dig at ça de ISP4, on a dit ISP4VPS1.example.com. Allez, DNF-y, install bind utils. Hein. Parce que, quand même, à un moment, il va falloir faire quelque chose. Hein. Parce que le réflexe de commencer à diagnostiquer le DNS.
Ça démarre toujours comme ça d'ailleurs, ça fait quelques numéros de ce labas code. Et il n'arrive pas à resolve. Ok, ça sent le petit souci. Est-ce que je me suis fait une config ou pas? Non, je ne me suis pas fait de config SSH. Donc du coup, SSH 10.1.0.53. Ok, je suis surpris. ISP1, DNS1. Ah, il n'a pas réussi à démarrer. Tiens, c'est ennuyeux ça. Système CTL, status DNS mask. Je pensais qu'on avait résolu les problèmes de fail to... Ah bah oui, forcément. Forcément. Alors. DNSmask.d, hop, local.conf, et effectivement. Donc effectivement, c'était mes... hop, donc là, si je refais un petit... Normalement, il devrait s'en sortir. Donc on va aller s'occuper d'ailleurs aussi du... bon. Juste pour pas avoir le message à chaque fois. Hop, voilà. SSH 10.2.0.53. Qui doit avoir le même souci. Ah non, tiens, il l'a pas. C'est DNSmask.d local.conf. Non, il l'a pas, effectivement. Effectivement, il ne l'a pas. Ok. Tout va bien de ce côté-là. Ici, Dig est en train et enfin installé. Ça, c'est chouette. Et je dois pouvoir, de fait, maintenant... Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit ping? Là, on est bon. Et si je fais mon petit Dig, j'ai mon petit Dig. Je peux même faire un plus short. Hop, voilà. Et alors, ce qui peut être amusant, peut-être, c'est d'aller... une greppe moins i. Alors, est-ce qu'on a des logs sur etc dnsmask.conf log queries log dhcp journal ctl moins u dnsmask? A priori, on a ça, mais on n'a pas. Les requêtes ne sont pas loguées a priori. Si je refais un dig là, et je reviens, c'est juste le démarrage. Je fais un tail-f. Non, j'ai même plus de varlog message ou de varlog quelque chose. DNSmask.d config. Ah oui, c'est local.conf, on le coupe. Ce sera plutôt celui-là qu'il faudra regarder. Et si je fais log, log queries. Donc à la limite, ce que je voudrais vérifier. Tiens, je vais faire ça tout de suite. Hop, restart. Alors par contre, j'ai pas regardé où est-ce que je les loguais. Je les log où? For debugging purposes, log each DNS query, ouais. Et a priori, il dit pas où est-ce que je les log. Donc si ça se trouve, journal ctl-u DNS mask. Ok. Jusque là, tout va bien. Puis on va refaire quelques... voilà. Et effectivement, on les voit dans, dans journal CTL, elles sont là. Ok. Ok, très bien. Très, très bien. Voilà qui est rassurant. On va à nouveau... Je vais le désactiver, parce que bon, j'en ai pas besoin de toute façon en local. Hop, restart DNS mask. Voilà, du coup, on ne déroge pas à la, je dirais, à la tradition où on fait toujours un petit peu de DNS en début de live sur ce type de sujet-là. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Alors... Ce qu'on peut faire aussi... Alors, je suis en train de jeter un œil.
un petit peu à... Alors, en gros, si je reviens sur mon code. Salut à toi, The Penguin, et bienvenue sur, sur la chaîne. Alors, l'autre truc qui est intéressant, d'ailleurs, tiens, avec ma machine ici, là, alors, pas la DNS, hein, hop, je vais me déconnecter. Hop, ici, c'est que normalement, si je fais un petit... hop, je vais regarder dans stash et server, je crois que j'ai un répertoire git, j'ai la base code, et en fait, j'ai récupéré sur cette machine-là le contenu du dépôt pour pouvoir ensuite, directement depuis cette machine qui est du coup dans mon réseau du labo, pouvoir lancer depuis cette machine tous les playbooks Ansible qui sont nécessaires. Donc si je vous remontre le schéma, en fait, ça veut dire que cette machine-là sert un peu de bastion d'administration pour tout le labo. Donc on va pouvoir, de cette façon, pouvoir automatiser un peu le déploiement de tout ce qui nous importe dans ce labo. Alors aujourd'hui, ce labo, il a encore 2-3 trucs à voir. Hein. J'aimerais bien essayer de mettre des trucs un petit peu plus clients à ce niveau-là. J'hésite à le faire ce soir ou à lancer plutôt des déploiements de services web, enfin de services web, d'applications web sur par exemple d'autres machines dans ce réseau-là. Puisqu'en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir, de façon un peu automatique, grâce justement aux outils d'infra as code et aux outils de, j'ai envie de dire, de déploiement, de pouvoir avoir des, entre guillemets, des scénarios, enfin des trucs qui ressemblent à ce qu'on trouve sur Internet. Donc par exemple, ISP1 et ISP2, en plus d'être les deux têtes de pont pour sortir sur Internet, eh ben il y a du service DNS qui est un peu central pour aujourd'hui, pour faire fonctionner l'internet. Sans le DNS, c'est un peu difficile. Et ici, en fait, ISP3, quelque part, c'est un fournisseur, on va dire, ça, on peut imaginer que c'est un fournisseur de VPS. Donc ici, j'ai un sous-réseau avec plusieurs machines virtuelles. Et je m'interdis pas d'ailleurs d'en mettre d'autres. Pour l'instant, le seul serveur web, il est, je crois, ici. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de l'ISP6, mais l'ISP5 et l'ISP4, j'envisage, alors je sais pas encore pour lequel, j'envisage sur d'un côté essayer d'avoir un truc qui soit plus un fournisseur d'accès plus, on va dire, résidentiel, c'est-à-dire qu'on mettra peut-être une machine virtuelle avec une interface graphique pour faire comme si c'était pouvoir mettre genre des firewall, enfin des routeurs firewall virtuels qui seraient des box. Et du coup derrière il y aurait des machines avec des interfaces graphiques. Et un de ces deux autres pourrait être plus, on va dire, quelque chose d'un peu plus, on va dire, environnement corporate, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait imaginer un gros firewall avec une DMZ et pourquoi pas des services. Mais ça reste encore à construire. Ce que je me dis, c'est que pour le moment, je pense que le plus simple pour ce soir, ça pourrait être d'essayer d'installer différents... une autre application web, pourquoi pas sur le deuxième. Pour le moment, ici, on avait juste Ah oui, tiens, il faudrait que je vous le montre, d'ailleurs. On va revérifier que ça fonctionne. Puisque grâce à mes histoires de tunnel SSH, normalement, je dois pouvoir vous le montrer en graphique. Mais du coup, il y avait juste une page statique. Donc si jamais je vais... Alors, faut juste que je reparamètre le proxy du côté d'un de mes navigateurs web. Hop, voilà, appliquer. Et si depuis ce navigateur web, je fais un petit HTTPS, HTTP, et que je mets isp3vps1.example.com, voilà, donc là j'ai une page, j'ai une page statique
qui ressemble à s'y méprendre d'ailleurs à mon comment dire à mon site perso hein, si je vais sur anotherhomepage.org. Hop, homepage.org, c'est à peu de choses près, je crois normalement la même chose. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que la raison pour laquelle j'ai pris cette page-là, c'est que le contenu est sous GitHub, donc il était simple à déployer. Oh, tiens, d'ailleurs, on voit les hop, petits trucs de SSH, enfin du tunnel SSH. Donc, dans la partie Ansible, si je descends dans le rôle et que je vais dans Web Server, Nginx Demo, alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Et je peux vous montrer d'ailleurs dans Task Main. Voilà, donc en gros, j'ai utilisé en fait pour cela toute la partie, voilà, tout ce petit truc d'Ansible là. Et je crois qu'à un endroit, alors est-ce que c'est dans les variables? Je crois que je l'ai variabilisé. Hop. Ouais, c'était ça. Remote content repo. Hop. Si je fais un vi de vars main.yml, on a ici, voilà, le content remote. Et ça, c'est chouette. Alors, je vais plutôt faire le truc ici. Ok. Bon, il y a juste du cloud init qui était... Ok, parfait. Parfait, parfait. Et donc, on a le web server Nginx Demo. Ce que je vous propose, c'est que... alors, ça va peut-être faire un peu redite, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui est là ce soir et qui peut-être était là il y a peut-être un an sur la chaîne. Mais il y a un peu plus de... Ouais, il y a quasiment un an. J'avais fait joujou avec une appli web hautement vulnérable qui s'appelle DVWA. DVWA. Et j'avais fait une série de streams sur ce truc-là en essayant justement de protéger cette application volontairement vulnérable autant que faire se peut. Et ce que je me dis, c'est que ça pourrait être amusant de m'en servir. Alors on pourrait imaginer d'installer un WordPress, on pourrait aussi imaginer d'installer un DVWA en faisant du coup un petit lamp assez classique avec Ansible. Donc c'est vers quoi je pense je vais me lancer ce soir et les prochains numéros en attendant de revoir cette histoire de BGP. Ce que je voudrais voir d'abord, c'est quand il parle d'installation, download, directement git clone. Ok. Donc on va pouvoir réutiliser ce qu'on a fait. Alors la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des trucs sur Ansible Galaxy? Ansible Galaxy. Hop là. Et une fois arrivé ici, si je cherche... Alors, est-ce que je peux... Ouais, je peux chercher. Et si je tape DVWA? Non, rien. Bon. Est-ce qu'on le fait avec Apache ou est-ce qu'on le fait avec Nginx, notre serveur web avec un PHP, un MySQL, enfin un MySQL ou un MariaDB? Pardon. Alors je vous avoue que quelque part la partie Nginx sera beaucoup plus, enfin si on le fait avec Nginx ce sera quand même relativement simple parce qu'on a un avantage non négligeable, c'est qu'en fait on a déjà un rôle web server Nginx demo et donc ce rôle on va pouvoir le réutiliser pour rajouter un PHP FPM et ensuite MariaDB et pouvoir à la fin déployer notre application. Donc je pense que ça risque d'être ça, je pense. Ça ira beaucoup plus vite comme ça. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Role
Et je vais faire un truc un peu gouré, on va dire. Alors, oups, c'est que en fait, ce que je me dis, c'est que. C'est qu'en gros, ça risque d'être un peu la même chose. Ça risque d'être un peu la même chose, mais. Allez, on va itérer dessus, on va le copier et on va faire quelques modifs. Donc, on va faire un petit cp-vrp de web server, ça. Et on va le copier dans... on va le copier dans... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rôle qu'on va appeler nginx-dvwa. Voilà. Parce que si jamais je veux monter la même chose... remarquez, ça pourrait être marrant d'essayer d'avoir des options, genre mettre de la patch ou à la place du Nginx. Allez. RM, MV, Nginx, DVWA, vers DVWA. DVWA. Voilà. Parfait. Ensuite, hop. Et là, on va dire que ça va être le VPS2. Hop, et dans les rôles. Voilà. Et là, ce sera pas some nginx, hein, ce sera installs and configure. Voilà. Très bien. Donc déjà on a ça. Ensuite, si je vais du coup dans role dvwa, mon petit tri. Alors, main, task main.yaml et vars main.yaml, voilà. Donc, déjà, oups, je crois que je me suis trompé sur un truc. Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Hop là, voilà. Donc, ici, on va dire ISP3VPS2, voilà. Public, repo, et donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt cloner, hop, t'es où? T'es ici, on va plutôt cloner ça. On va copier ça. Voilà. Donc, ah zut, le réflexe du jeu, j'enregistre et je quitte. Petite question d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas demandé, mais niveau son, ça va pour tout le monde? J'espère que ça va pour tout le monde niveau son. N'hésitez pas à me dire hein, si le son est trop fort ou pas assez. Je sais que la dernière fois, là, lors de la rentrée dimanche dernier, on avait été un petit peu, on avait passé un petit peu de temps sur le son. Donc j'ai pas de problème à en passer un peu. Impeccable. Bon, super. J'espère que vous avez la musique aussi et qu'elle n'est pas trop forte. Mais assez pour être entendable et appréciable. donc. Ça, normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là par contre on va être en ISP3. Alors du coup là je suis en train de me dire que je fais quand même pas mal de duplication de code. On essaiera de voir à un moment s'il n'y a pas moyen de factoriser tout ça, mais dans l'immédiat j'en suis conscient, mais on va appeler ça un travail en cours. Je sais pas si on peut vraiment traduire l'expression anglophone work in progress. Et déjà, je relis mon code d'avant et qu'est-ce que je vois là, le truc dièse temporary. Ok, ça va, j'ai compris, le config debug output, faudra penser à le retirer.
Donc là, pour l'instant, c'est juste du Nginx. Tiens, ici, ce serait plutôt index.php, d'ailleurs. Hop. Je pense qu'on va tenter déjà de déployer ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, première chose, c'est que je vais aller me connecter sur isp3vps2.example.com. Voilà, je suis dessus. Ok, ensuite. Inventory.ini, il me dit quoi? Ok. Je crois que j'avais un rôle de base, visiblement. Base.yaml. All. Ok. Du coup, si je retente un playbook. Ok. Et que je fais un... Base.yaml. Donc a priori je l'avais déjà lancé une fois. Donc normalement tout le monde doit avoir la même base. Bon, visiblement il y a des fingerprints que j'avais oubliés. Ok. Allez, allez, mon petit Ansible, avance, dépêche-toi. Ah, unreachable, ok. Ah, la host key, verification, ok. Tiens, il y a des trucs qui ont changé, c'est d'un rassurant. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est me connecter ici, allez, sur ISP3VPS1.example.com. Lui, c'est bon. Le ISP4, il est bon. Le ISP5, il est bon. Et le ISP6, pourquoi il en a pas voulu? Hop, parce qu'il manquait la vérification de la host key. Allez, on repart. Il faudra que je me pose des questions sur ces warnings, mais peut-être à un autre moment. Je pense que j'ai oublié un truc verbeux parce que j'aurais bien aimé savoir exactement ce qui change. On va en profiter pour jeter un œil au rôle de base. Base étoile slash main.yml. Hop là! Ou pas? Ah si, d'accord, il y en a qui sont vides. Ok. Donc ça, c'était juste les dépendances logicielles. Donc si ça se trouve, il y a des mises à jour, en fait. Hop. Je sais plus s'il y a un mode verbe. Je crois qu'il y a un mode verbeux, mais je sais plus comment le... Hop. Allez. Verbose. Moins V. Oh bah. Bon, j'aurais pu le tenter sur un malentendu. Et ben écoute, allons-y. Alors de mémoire, le moins C c'est juste les changements.
Et le D, c'est le diff. Non, le moins C, c'est le check. Allez. Ah oui, effectivement, tiens, il a rajouté un truc, il a installé... Ah, j'avais peut-être dû rajouter un package, ok. Oh là! Comment ça, remove the git core? Ah, remarque, c'est qu'il a... Ouais, je pense qu'il fait les mises à jour, en fait. Voilà, Git est toujours là. Ok. Donc normalement, si je le relance à nouveau, il est censé me dire... Alors on va faire juste un check. Il est censé me dire que tout est à jour. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de changement à faire. Voilà, nothing to do. Parfait. Ok, on est bien alors. Maintenant... On pourra tenter le DVWA. Alors. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant... Y a rien qui se... Ah, si, je me disais aussi. Un R-Sync, un dry run. Ah, ok. Effectivement, il y a cette partie-là où ça devient pas nécessaire. Donc, on va devoir retoucher. Hop, alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un endroit où avec mon, mon premier voilà, synchronize HTML document to document root. Et c'était un peu du... alors, si je regarde ici, en gros, le contenu du DVWA... Alors, la seule version supportée, c'est la dernière depuis... Donc, en gros, c'est directement un clean. Un clone plutôt qu'un clean. A priori, on est... Ouais, on a l'index PHP qui est là directement. Donc, en fait, on pourrait directement cloner dans le répertoire de destination, dans le document root. Qui, je crois, moi, s'appelle public. Si je dis pas de bêtises. J'ai dû créer... Alors, HTML content repo. Ok. Doc root. Tiens, là, j'oublie un... Oula. Voilà. Dans ce cas-là, ce que je me dis, c'est que je vais faire ça. Plus, il n'y a pas déjà un slash dans le local content repo. J'ai un doute. Écoute, on va bien voir. On va l'enlever. Hop. Alors. On va commencer déjà avec ça. Ah non, j'avais pas mis de slash, tiens. On va essayer, je pense qu'il va y avoir un petit souci, mais ça se tente. Hop, allez, c'est parti.
Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même plutôt très bien. Il y a un Python 3 qui travaille, ok. Ah voilà, bien sûr, Nginx is running. Ah, ça y est. Là, on a un Nginx. Ok. Donc, en théorie, je devrais pouvoir ici... Alors, non, pas maintenant. Là, ouais. Hop, je copie ça et je vais mettre VPS2. Et je devrais... Je pense que je vais avoir une erreur. Voilà, j'ai un 403 Forbidden. Alors, oui, j'ai un 403 Forbidden. Mais, j'ai un serveur WAD qui tourne. Ça, déjà... En soi, c'est une bonne nouvelle. Donc, si je vais dans SRV3W et que j'ai mon ISP3 VPS2. D'ailleurs, je pense que je vais l'appeler autrement, ce répertoire-là, en fait. Log public. Alors, repo. Il y a le contenu du repo, ok. Et public, ah, il y a le répertoire repo dedans. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors, on va arriver ici. On va dire que là, il me faut en fait un slash. Et là, il me faut aussi un slash. Voilà. Ce que je vais faire aussi. Ce que je vais faire aussi, c'est... Ouais, je disais changer le nom du... Est-ce que je l'aurais pas mis genre en fonction du hostname ou pas? Ah, j'ai mis ça. Allez, .example.com. Hop, et là, ce que je vais faire... System.ctl. Stop Nginx. Hop, voilà, j'efface tout. Et normalement, si je recommence, ça devrait être bon. Hop, allez, c'est parti. Donc, vraiment, il y a un nombre de choses qui ont déjà été faites qu'il ne va pas refaire. Un petit peu de temps pour cloner le contenu. Alors, est-ce que si je vais... Voilà, ça, il l'a fait. Il prend son temps quand même, hein. Alors, non, toujours pas. Bah dis donc. Allez, allez. Il a l'air de... Est-ce qu'il aurait un souci? Est-ce qu'il aurait un souci, notre... Parce qu'il prend vraiment son temps pour cloner le truc, on dirait.
sais pas, j'ai l'impression de lancer... Si je lançais un git clone moi-même... Alors je pense qu'il lance pas un git clone tout à fait, il doit utiliser peut-être des... Ah non, attends. Si, il est en train de faire des trucs, là. Point GIK. Ah! Je me suis trompé dans les... Ah oui! Ah oui, bon, bah écoute, hein, oui, tu vas... À mon avis, il doit se manger des 404 de la part de GitHub à fond. Allez hop, on arrête. Et on recommence. Alors. Voilà. Allez, c'est reparti. Ah bah voilà, là c'est mieux. Ah bah oui, là tout de suite, tout est installé. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dans le répertoire public. Il n'y est peut-être pas encore. Ah, voilà. Alors... Là, il est en train d'installer Nginx, ok. Ensuite, il va le relancer, je suppose. Enfin, il finit de faire les confs. Ah, j'ai cru voir un... J'ai cru voir du rouge. J'ai cru voir du rouge. Non? Non? Ah, zut. Hop. En tout cas... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ok, 23, changer 8. Unreachable 0, donc finalement, j'ai pas vu de rouge. Failed 0, skipped, ok. Rescued, ignore. Ok. Donc normalement, tail-f 2, toc, on va faire l'access log, et si je fais ça normalement, voilà, il me retrouve avec un truc qui est en fait du code de PHP, ce qui est somme toute assez logique, du code HT, du PHP et de l'HTML. Pourquoi c'est logique? C'est parce qu'en fait, on a installé une appli PHP, mais on n'a pas encore installé PHP. Voilà, voilà. C'est donc tout à fait normal. Par contre, ce que je peux faire dans ce cas-là, si je vais dans le répertoire public, est-ce que j'ai un fichier de conf? Config. Ouais, j'ai un config. Donc ça, je pourrais peut-être essayer de le gérer via... Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si je tente un slash, tiens, un slash php.ini, normalement, je devrais avoir, voilà, le fichier php.ini, s'il veut bien me l'ouvrir. Non, il veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Slash php.ini. Oui, bah oui, je veux que tu m'ouvres. Pourquoi il m'ouvre pas? Alors, il est où le... Est-ce qu'il serait dans mes téléchargements? Oui. Alors, j'essaie de l'ouvrir avec le l'éditeur de texte de Gnome, mais je sais pas pourquoi. Il a pas l'air de... Qu'est-ce qu'il m'a fait, le... Le gedit? Enfin, je pense que c'est gedit. Oh, l'application. Ah non, il me fait notepad. Ça doit pas être la même chose. Bah, je vais lui dire. Hein. Oh, je veux mon gedit, moi. Hop, voilà, gedit. Allez. Ah, mieux. Et donc, pour l'instant, il y a juste ça. Il y a juste ça. Ok, bon. Je vais faire un petit nettoyage. Des fichiers téléchargés, hop. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est essayer d'installer PHP. Alors, PHP, PHP-FM, est-ce qu'il y aurait des trucs dans Ansible Galaxy pour PHP-FPM? Ah oh bah, Garing Guy, ok. Ça commence bien.
Alors remarque, limite, on aurait pu carrément utiliser Apache, CGI, FPM, PHP, Web. C'est ce qu'il me faut, quoi. Par contre, il a essayé Debian EL. Ah, donc Enterprise Linux. Et je voulais tenter de voir son... Ouais, c'est celui-là que j'ai fait, slash PHP. Okay. Ah non, ça c'est juste lui-même. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Donc il le teste sous pas mal de choses, mais développement Drupal FPM, Joomla... Oh là là, allez, README. D'accord, donc en fait il documente un peu son truc. Je vais vous le copier-coller là, parce que ça peut servir, je pense. Et je vais le mettre bien entendu dans les liens du live. Hop là! Alors. Et ben je pense qu'on va pouvoir installer ça. Example playbook, eh ben allez, vendu. Alors. Alors, je crois que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je rajoute dans mon fichier. Non, c'est pas celui-là. Et que je rajoute dans mon si je rajoute dans le DVWA, ouais non, j'ai même pas besoin de. Il est où mon petit ah bah de toute façon le Vim il est là en fait. Hop là, voilà. Et quand j'avais fait mes trucs Nginx. Ok. Donc, ce que je peux faire maintenant, hop, et faire un petit name, et on va pouvoir, hop, alors README. Alors, si je vais aller regarder, tiens, je vais peut-être aller regarder le code en fait. Repo. Salut IronFit. Alors le son de mon micro est très bas. Ah mince. Alors, je vais essayer de. Alors à moins que c'est parce que j'étais trop loin du micro. Est-ce que déjà en le rapprochant c'est mieux? Parce que j'étais peut-être un peu loin de celui-ci. J'ai tendance à oublier que je l'ai sous le menton. Et si. S'il y a un souci avec le son du micro, encore, tu me le dis. Alors, pendant ce temps,
Ok. Hop là. Alors. Template. Ah non, ça c'est les templates de conf. Ok. Tu es à 100%. Ouais. Alors. Hop là. Je vais voir un petit peu si je peux pas le... Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, d'accord, c'est les variables. Red hat, hop. J'ai essayé de pousser un petit peu plus le son du micro. Je suis déjà à plus qu'à 100% sur le micro. Pareil. Ah. Décidément. Alors à ce niveau-là, je suis à fond. Alors le son du stream, pourquoi pas? On peut essayer de l'augmenter un peu. Alors, où est-ce que je peux... Remarque si je... Alors moi, j'ai pas forcément de retour sonore, donc le son du stream. Parce que là, je pense que j'ai plus monté la musique, en fait. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, c'est peut-être le monter vraiment à fond dans ce cas-là. Ah oui, non, mais très clairement, c'est oui, le coup de la voix, ouais. Hop, et là, est-ce que c'est mieux? Parce que moi j'ai déjà poussé le volume du micro à fond sur le volume du micro. Il y a juste au niveau d'OBS où je peux aller pousser dans les propriétés avancées. Mais où là je suis à genre 200% du volume, ce qui est quand même assez bizarre. C'est assez étonnant que j'ai à pousser aussi fort, je trouve. Salut à toi Idriss, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Pop, 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 pom. Tu me dis Iron Fit hein, si ça, si déjà c'est un peu mieux. Je voudrais juste en profiter pour revérifier. Alors attention, ça va peut-être faire un bruit pas très agréable. Voilà. Je. Ok, donc il fallait que je le pousse vraiment au niveau du au niveau de OBS. Ok, bon. Hop, voilà. Donc, où en étais-je? J'espérais regarder un peu les valeurs des différentes options pour essayer de jouer avec. Mais il a, ah oui, il a directement un playbook. Alors, je peux peut-être éventuellement. On va aller voilà, dans les variables. Et ce qu'on peut lui dire, c'est... Tiens, on va tenter ça comme ça, ouais, éventuellement. Allez. Oula, pas comme ça. Voilà. On va le laisser comme ça pour le moment. On va voir ce que ça donne. Il y a juste la partie FPM. Je voudrais être certain que ça va passer en FPM. Priori, c'est ça. Et il faut le passer en... Bah alors. Zut, hop. Voilà, et là on le met à trou. Hop. Voilà. Ah, j'ai encore eu le réflexe de quitter Vim.
Si jamais maintenant je relance mon... Si je relance mon playbook, qu'est-ce qu'il va faire? Hop là. Alors forcément, il reprend ce qui existe déjà. Il voit que c'est déjà installé. Alors éventuellement, un truc qui pourrait être intéressant, je pense, c'est essayer de voir si j'ai pas quelques options pour la partie clonage du repo, parce que le copier dans un répertoire et faire une synchro, ça m'embête. Ah, il y a des trucs qui ont changé. On va quand même jeter un œil. Mais je vois que du Nginx, je vois rien en... en PHP. Alors le log, où est-ce qu'on a logué les trucs? tmp-ansible.log. Hop, ouais, ça va être laisse-moi-r plutôt. Hop. Ouais, décidément, j'aurais peut-être dû effacer le fichier avant de recommencer. Bon, c'est pas grave, allez. TMP, Ansible, voilà, ça c'est vu. Ce qu'on va essayer de faire, dans ce cas-là, on va regarder s'il n'y a pas d'autre chose à... Ah, faut que je mette un PHP use manage init tout trou. Ok. Je l'aurais pas déjà fait. Ah non, là j'ai juste... ok, c'est pas encore des paramètres. Oh, quoique, si. Alors Nginx, si on utilise Nginx, hein, il faut... Ah bon, on va pas compiler. Ce serait dommage de compiler quand même. Mais je me demande s'il faut pas que je rajoute quelque part... Il n'y aurait pas genre une dépendance en disant au fait on va utiliser... Je pense qu'il me manque un truc. Qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui doit me manquer dans mes... Que le web server Nginx démo il dit pas qu'on en, qu'on utilise. D'accord, donc celui-là il pose un souci. Nothing to do, ok, ça c'est cool. Mais du coup, c'est dans les...
collections. Mais du coup, ça, c'est un rôle, c'est pas une collection. Alors, requirements. Ça, ok. Normalement, on est sur un truc récent. Role variable. PHP packages. Donc, ça, normalement, on l'a vu. Si je reviens ici, dans la partie. Voilà. Il faut peut-être que je rajoute PHP FPM en fait. Ah, d'accord. Ah, PHP Web Server Daemon HTTPD. Ok, donc celui-là, faut que je l'ajoute. Et que je lui dise Nginx. Ah, zut. Oh, le réflexe. Le réflexe. Ça, le PHP enable repo, je m'en fiche. Ensuite, hop, ça on va le rajouter aussi. Mais vraiment, ce qui me manque, ça va être la partie. Dépendance non. Donc, il va falloir que je rajoute ça dans les rôles. Ok, allez. Alors, et ici, je rajoute hop. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ouais, ben en fait, il va falloir que je fasse le playbook. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis pas sûr qu'il va être très content. Bon, pendant qu'il fait son petit truc, moi j'aimerais bien voir s'il n'y a pas moyen de mettre le truc de façon un petit peu plus. Parce que là pour l'instant il fait du Nginx, mais à mon avis il va pas toucher à PHP, je pense. Ah si, ça y est, il le fait. Ok, ok, je suis... J'étais très sûr de moi, ça se voyait. Alors... Là, il s'assure que les packages PHP sont installés. Bon, bah, pour le moment, voilà.
Ça c'est cool. Ah, j'ai cru voir du rouge. Ouais. Bon, ça a priori c'est juste qu'il ouais, il a fait des diffs. Ok. Oh punaise, ouais, le truc est vraiment verbeux, je vais peut-être arrêter le moins V. En tout cas, il a l'air de fonctionner. Pégrade PHP, ok. Ok, donc j'ai le pool 3W qui est lancé en fait. ETC, PHP, FPM.D. Et il est managé par Ansible. Ok. User Apache, groupe Apache. Ouais, effectivement. Alors pour le moment, il va pas fonctionner des masses. Mais il est là. Et comme il est là, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer un peu. Et donc a priori, on va juste pouvoir aller chercher dans les variables. Donc on n'aura pas grand chose à s'embêter, sauf peut-être des trucs à mettre à cause de SE Linux. On va voir. Alors. Je vous avoue que le 3w.conf, je suis pas forcément grand fan, mais a priori. Je vais pas créer de. Pourquoi il y a un user. Il a pas installé Apache quand même. Ah si, il a installé HTTPD. Ok. Alors. On va lui dire httpd, tu vas l'enlever. Ouais, ok. Si je fais un DNF auto-remove, normalement, il devrait m'enlever les... Ok, soit. Bon, ça, c'est logique. D'accord, donc il a dû me le faire, l'auto-remove, non? Removing unused dependencies. Mode HTTP 2, mode loi, ok, bon. Hop, je crois qu'on regardait le README aussi. Parce que c'est pareil que sur GitHub. Et donc, a priori... A priori, je vais pouvoir aller utiliser les options. Alors, déjà, si je refais pareil là, mais au lieu de faire un moins V, je mets un moins C. Ce qui va vouloir m'installer des choses. Qui va vouloir me réinstaller Apache par exemple. Je pense que oui, vu que j'ai rien modifié pour l'instant. Ouais, voilà, la synchronisation, ça, va falloir la faire sauter, c'est pas très ouf. J'ai tendance à dire, c'est pas idem potent. C'est à chaque fois, il va relancer l'action.
Ouais, bizarre cette affaire. Je serais presque tenté de vouloir désinstaller tout ce qui est sur un DNF remove httpd file system. Il m'enlève PHP FPM. Ok, soit, hein, on va tenter. Ça, je suppose qu'il va pas aimer, il va vouloir me virer Nginx. Ouais, voilà. Et ce truc là, à mon avis, je vais quand même tenter. Non. Opération remove the following protect. Ah oui, d'accord, DNF on a besoin. OK. Ok, donc là on est bon, enfin on est bon. On va pouvoir essayer de voir comment on peut. Alors, PHP Web Server Daemon. Alors. Peut-être je regardais plutôt sur GitHub. J'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de regarder ça. On va remonter. On va faire hop, Nginx. Alors. Je crois que c'est parce que j'ai pas mis comme il faut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut ensuite tenter? Y a pas une histoire de user à un endroit? PHP FPM pool user, voilà. En toute logique, ça, ça devrait être bon. PHP date time zone. On met UTC. Hein. Donc déjà, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va pas me réinstaller Apache. Hein. Alors. Roulement de tambour. Est-ce qu'il va me réinstaller Apache? Je pense que oui, parce que j'ai pas l'impression d'avoir énormément changé de choses. Alors pendant ce temps, un truc que je voudrais vérifier, c'est. La partie. Ah oui, c'est import role. Voilà, j'aurais dû faire import role ici, en fait, et les variables.
Toujours pas installé, ok, cool. Toujours pas installé. Ouais, je pense que c'est par défaut, il met user Apache et du coup il installe Apache. Et là, ah, il fail. Could not find the requested service php-fpm host. Ah. Déjà le tcphpfpm.d3w.conf. Donc ça, je vais vouloir le changer aussi. Je pense. Par contre, on est bien à Nginx. Ok, ça c'est cool. Donc, s'assurer que PHP-FPM est démarré et activé au boot. Alors, où est-ce que je me suis... Non. Bizarre. Alors déjà avant, maintenant que j'ai retrouvé où était l'import des rôles, ce que je vais faire, c'est et du coup, je vais peut-être pouvoir mettre les 20. Ah non, ce serait moche si je mets les. Je vais le tenter comme ça. Allez, hop. C'est Jeff. Comment ça s'écrit son prénom? Parce que, enfin, son nom de famille. J'ai pas envie de l'écorcher. Hop. Et on va rajouter quand même une majuscule. Et import role. Et du coup, ce sera. Hop. C'est le truc, mais je pense qu'en toute logique, il devrait à nouveau se prendre les pieds dans le tapis. Mais déjà, j'aimerais m'assurer que de ce côté-là, tout fonctionne à nouveau. Ouais, en fait, c'est que de temps en temps, j'ai tendance à me rappuyer sur le dossier du fauteuil, et du coup, je m'éloigne du micro, en fait. Ah là là. J'ai pas une vie facile, hein. Faut que je garde le micro près du... près de la bouche. Alors. Donc là, il est en train de tout revérifier. Ça prend un petit peu de temps quand même, hein, mine de rien. Et du coup, PHP tournait pas. Ok. De me demander si... Pourtant j'ai dit FPM, non? Enable. PHP FPM. Ah, faut peut-être que je... Non. Started. Mais du coup, est-ce qu'il a installé PHP FPM? C'est ça aussi la question. Ouais, c'est ça. Hop. Et il a rien... Il a pas installé PHP FPM. Ok. Donc... Pourtant, si je lui dis enable PHP... Ah, mais... Alors, on va aller vérifier ça. Est-ce qu'il faut que je lui dise d'ajouter le package dans la liste ou pas? PHP FPM. Alors...
PHP enable PHP FM. Ça, on l'a vu. On l'a vu, hein, on a le enable, on a le started, on a le PHP enable PHP FPM, ok. Ah, on va pouvoir créer plusieurs pools aussi, c'est cool. Ça c'est intéressant. Alors, bon, ça après c'est d'autres trucs. Ok, donc à mon avis, il faudrait que je rajoute PHP-FPM dans les packages en fait. Voilà. Hop, allez, on va retester. Avec un peu de chance, ça passe. Bon. Allez, avance, dépêche-toi. Faut peut-être que je mette en place quelques tags pour pouvoir éviter de relancer le truc depuis le début. Ça irait plus vite, je pense. Alors. On commence à avoir la partie Girling. Ok, ça c'est cool. Ah, il a fait un changement. Donc ça y est, il a installé le package. Et roulement de tambour. Hop, hop, voilà, il restart, et du coup, si je fais un pgrep php ici, j'ai php qui tourne, et pgrep nginx, de toute façon, il a relancé, ok, etc php-fpm.d, hop, www.conf, tac, tac, ça c'est bon, cool, donc maintenant, on va pouvoir aller modifier, du coup, le pool, Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est aller ici. On va faire ça. Je vais l'appeler autrement, tiens, je vais l'appeler DVWA. Ouais, non, je vais... Ouais, allez, on va l'appeler DVWA. Voilà. Et ce que je voudrais faire, moi, c'est que je voudrais pas le mettre en... Je voudrais pas le mettre dans ce... Comment dire ? Dans ce mode-là. Ce que je me disais, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le mettre au lieu d'avoir un listen. Parce qu'en gros, il met un listen ici. Et en gros, il y a moyen de mettre éventuellement... de faire un genre hein, var run fpm $pool.soc pour le socket. Et du coup, celui-ci, normalement, on s'en fiche. Et on a éventuellement un listen mode
i qui vaudrait 0,660. Alors bon, j'ai un template de conf à côté, hein, c'est pour ça, je sors pas les trucs de mon chapeau comme ça. C'est juste que si j'ai pas besoin de faire d'écouter sur un port précis, je préfère le faire écouter sur une socket. Donc on va aller relancer le truc. Et on va voir ce que ça donne. Mais ouais, très clairement, il va falloir que je mette des tags pour que ça aille plus vite. Non, toujours pas. Ah mais remarque, il a dû aller dans un autre truc parce que du coup le www.conf... .rpm, tiens, je devrais peut-être le dégager. Ah voilà, une erreur, ok. Allez. Ça dégage. Là, il n'y a plus rien. Et alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Alors, The Remote SRC. Ah, bon, a priori, il s'attend à ce que le truc s'appelle... Alors, pull template, ce serait pas un... Ah, faut peut-être que je le laisse en... Alors, je vais peut-être... On va peut-être le laisser comme ça, en fait. Allez. Je pense qu'en fait, ouais, la manière dont le rôle est fait par Jeff Geerling, il doit se baser sur un fichier qui s'appelle www.conf.ninja2. On peut peut-être essayer d'aller regarder ça, tiens. Alors, template, c'est ça, il a un www.conf.ninja2, voilà. Donc ça, fallait pas que je le change, ok. Ok, bon à savoir. Donc il a Ansible Manage avec le commentaire, item pool name, ok. D'accord, puis il a un default, ok, logique. Très bien, allez. Donc là, on a ce qu'il nous faut. Ça a l'air d'être... Voilà, j'ai juste un dvwa.conf. Et donc, si je fais un pgrep php, ça tourne. Si je vais un peu plus loin, hop, on voit bien que j'ai un pool dvwa qui tourne. Et j'ai bien le... Ah, var... Alors, si je vais dans var run maintenant. Var run... Et j'ai bien un fpm dvwa.soc qui tourne. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va pouvoir commencer à regarder éventuellement comment est-ce que je peux... comment est-ce que je peux configurer ça. Alors... Alors quand je dis configurer ça, c'est configurer ça au niveau de Nginx en fait. Et donc on va aller rejeter un œil dans
Pas de soucis, bonne fin de soirée à toi, KMHQ. De toute façon, il est déjà 21h41. Donc, tu pourras regarder en replay, il devra rester plus de 20 minutes, je pense. En tout cas, c'est très gentil d'être passé. Merci encore, hein. C'est très gentil. Oui, il y a les replays pendant 2 semaines. Et normalement, je crois même que si vous êtes Amazon Prime et que vous avez lié votre compte Amazon à... Oh, merci PTX Live pour le sub. Ah, c'est gentil, ça. Le petit sub qui fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, PTX Live, est-ce que on se connaît déjà? Je me pose la question. Ouais, il y a des chances, ouais, ok. Bon, non, mais ça faisait un moment que je t'avais pas vu dans le coin. Oui, effectivement. Oh, et puis, 6 mois en plus, dis donc. 6 mois à l'avance, mais t'es un amour. C'est trop gentil. Oh là là. Merci de soutenir la chaîne comme ça. En plus, du coup, tu es le 10e subscriber, ce qui est plutôt chouette. C'est bien ce que je me disais, voilà. XN3 de MBS. Alors, j'essaye d'éviter, justement, de doxer les gens, entre guillemets. Notamment si je les connais par une ancienne relation professionnelle. Donc KMHQ, je disais quoi à propos d'Amazon Prime, que normalement si tu lis ton compte Amazon Prime avec Twitch, alors déjà d'une part les gens qui lient leur compte Amazon Prime à Twitch bénéficient de un sub par mois qu'ils peuvent offrir à n'importe qui, donc ils ne payent pas leur sub. Et en plus, je crois que ça leur permet, parce que moi je suis pas Amazon Prime, et du coup en fait je suis limité à 2 semaines sur les replays, et je crois que quand les gens sont Amazon Prime et qu'ils ont lié, ça monte à plus de temps. Je me demande si c'est pas 6 semaines. Je dis peut-être une bêtise, hein, je sais plus exactement combien de temps, mais du coup c'est plus que 2 semaines. Ouais, 2 mois, c'est pas... ça me dit un truc, effectivement, 2 mois. Mais du coup, par contre, notre PTX Live en direct, lui, il a pris 6 mois à l'avance. Donc ça veut dire que je vais continuer. Enfin, je n'avais pas l'intention de m'arrêter, mais je vais quand même continuer pendant 6 mois pour mériter ses subs. Et en plus, lui, il n'a pas utilisé le Amazon Prime. Mais du coup, c'est quand même assez sympa quand vous avez un Amazon Prime, parce que vous pouvez comme ça soutenir un petit streamer sans bourse déliée. En tout cas, pas plus que ce que vous dépensez déjà. Donc c'est toujours sympa. De profiter de son sub prime. Moi je sais que, alors je crois plus qu'il stream très souvent à Yamupsala, mais j'avais tendance à lui filer mon prime quand je l'étais. Alors, où est-ce que j'en étais moi du coup avec cette histoire de... Je voulais regarder où est-ce que... Ah oui, au niveau de la conf Nginx pour aller lui dire, au fait... On va aller causer en FPM. Alors, je triche un peu. Je jette un œil à une conf que j'ai à côté. Et ce que je me dis, c'est qu'en fait, il faut que j'aille lui dire dans le location. Hop. Est-ce que je l'ai balancé comme un goret dans le conf.d? Ouais. Voilà, donc il va falloir que j'aille lui dire « Eh, au fait, maintenant, il faut faire des trucs de type face CGI quelque part. » Alors, la question, c'est... Hop, où est-ce qu'on va le mettre? Donc, pas ici, c'est sûr. Là, je crois qu'on a pas mal de trucs, là. On a notre template, deployment location, server, core, listen, voilà. Location, voilà. Slash, core, index, root. Donc, normalement, dans ce location-là, je dois pouvoir lui dire... est-ce que... Alors, je vais peut-être aller regarder du coup la doc du... Alors, si je fais Nginx. Hop. Donc, je vais tomber sur le truc de chez Nginx. Ok. Et moi, c'est plutôt Nginx config. Est-ce que
que j'aurais pas des... Non, là j'ai juste le Nginx Core. Voilà, Nginx config. Alors, est-ce que j'ai quelque part un truc qui va me dire... Je pense qu'il va falloir que j'aille regarder sur le repo GitHub. Ils ont quoi dans le README? Ah si, ils ont des choses dans le README. Est-ce qu'ils n'ont pas des exemples? Ils ont molécules. Ok, cool. Common. Requirements. Alors... Bon, ça c'est les requirements, ok. Files. Nginx.conf. Ça c'est le Nginx.conf. Ok, tout va bien. Mais dis donc, ouais, du coup, PTX Live, ça fait un moment qu'on s'est pas croisé en live. J'espère que ça va bien. Server 1, server 2. Oula. Ok. Hop. Alors, est-ce que par hasard, si je vais chercher genre fast CGI, est-ce qu'il y a un truc? Non? Ou juste CGI? Ok. Parce que je suppose que si je viens juste comme ça et que je dis, hey, au fait, mets-moi un petit fast CGI pass, genre comme ça, et que je lui dis. Je lui dis genre Unix 2.var run. On a dit fpm -dvwa.soc. Je suis pas sûr que ça passe. Je vais le tenter, mais honnêtement. Voilà. Et bien ce que je me disais, je me suis. Est-ce que c'est juste ça qui pose problème? Mais ça doit pas être dans le truc core, je pense. Hop, on va le mettre ici. Ah ah! Ouais, donc je me suis trompé de... Je me suis trompé dans l'indentation, probablement. Mais par contre, il va falloir que je crée un autre location, en fait. Pour lui dire, pour les fichiers PHP, va passer ça. Bon, à la limite, de toute façon, pour le moment, si jamais il fait ça, ça va mal finir. Donc, ce que je peux faire, c'est refaire une autre location. Hop, ici. Et cette location, on va lui dire... est-ce que je peux lui balancer un truc comme ça? Est-ce que je peux lui balancer genre ça, en mode bourrin comme ça? Je suis pas sûr que ça le fasse. Hein. Par contre, j'ai cru lire un truc, example playbook. Clean up, Nginx config, and configure Nginx supporting module. Ok, donc et finalement dans les exemples molécules. Non, c'était pas dans common. Clean up. Ah non, ça permet de faire du. Ok. Ça c'est pour du nettoyage. Default. Et dans le converge.yaml. Si je vais chercher un location slash, d'accord. Ouais, le truc est vraiment assez bateau. Salut à toi, Apple Computer. C'est l'ancien nom, ça, d'ailleurs. C'est l'ancien nom. Parce qu'aujourd'hui, Apple ne s'appelle plus Apple Computer. Ah, voilà. Si, ça passe, tilde. Ah, eux, ils mettent comme ça, ok. Et face CGI, ok, donc il y a du face CGI. Ah, ils mettent comme ça en tilde anti-slash PHP de là. Oh, on va le tenter, allez. Allez, on va le mettre plutôt comme ça dans ce cas-là. Hop.
Et donc, face CGI passe. Apple était déjà pris. Ah, mais tu aurais pu faire Apple Inc. en fait. Tu aurais pu faire Apple Inc. Hop. Tiens, d'ailleurs, ils mettent quoi dans eux dans leur exemple ? Face CGI, split path info. Bah, tiens, c'est justement ça que je voulais. Allez. Ah, faut que je rajoute un custom directive en fait. Ah oui, je fais core, route. Ah oui, d'accord. Ok, donc je vois, je fais. Hop. Je fais comme ça. Alors, du coup, on ne met pas d'index. Et je rajoute un custom directives. Alors, en fait, le truc là, il est devant moi, j'ai juste à le copier-coller. Et le custom directives, il est le même niveau que core. Ok. Hop. Et là, par contre, ensuite. Je lui dis donc, ça, on le split. Et il faut que j'indente comme ça. Ouais, ouais, c'est pas paf. Et donc ensuite, celui-ci, hop. Voilà, donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Il met. Ah, il met directement les. Ok. Il fait. Ah oui, vu que c'est des custom directives, en fait, il prend directement le texte. En fait. Il va pas faire des. Il va pas parser les trucs. Il va juste les filer comme ça. Voilà. Face CGI index. Hop, index.php. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bon, le include, ben forcément. Bon, je vais prendre celui-ci, mais à mon avis, c'est pas garanti. Et celui-là. Hop. Mais honnêtement, PTX Live, je suis pas sûr qu'il y ait deux personnes qui configurent Nginx de la même façon quand il s'agit de configurer du Fast CGI. En tout cas, là. Voilà. Là, normalement, j'ai un truc un petit peu plus. Allez, on va le relancer. D'accord. Donc là, j'ai encore foiré des. J'ai encore foiré des trucs. Alors, location, core, route. Location, il est là. Core, on est au même niveau. Le route, il est après. Jusque-là, tout va bien. Et custom directives, est-ce que... Ouais, il est au même endroit. Ok, alors il me hurle où ? Enable to... Alors, ligne 102. Colonne 1. Route, custom directives. Donc, il m'a dit ligne 102, colonne 1. Donc, c'est là. Donc, je suppose que si je fais ça, ça va revenir au même. Voilà. Ah oui, je sais, je fais pas mal de switch. Ah, c'est que... Non, attends. Locations, ouais. Ok. Bon, a priori, j'ai fait tout comme... chelou cette affaire. Alors, pour lui, il t'appuie sur le tab. Ah, d'accord. Ok. Oula. Faudrait que j'améliore la configuration de mon éditeur de texte pour, dans certains cas de figure, convertir les tabulations en espace.
Voilà. Voilà, là il se lance. Ok, cool. Et maintenant, roulement de tambour. Ah oui, la fatigue. Ah, ok. Oui, effectivement, c'est passe comme passé. En effet. Alors. Et normalement, après ça, je pense que je vais committer. Et puis, on pourra ensuite... Voilà, il a rajouté les trucs, ok. Ouais, je committerai et puis on en restera là. On installera du coup pas... Oui, c'est ça. Je vais installer DVWA. D'être plutôt bon signe. Hop là. Alors, pgrep php, pgrep nginx. Ok, c'est cool. Alors après, je suis pas convaincu que ça va fonctionner. Voilà. Ah si, système erreur. Eh si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors la question que je suis en train de me poser, c'est si je vais dans... hop, si je vais là-dedans. Et que je vais dans public, est-ce que j'aurai un truc du genre un info ou un setup.php? J'ai un setup.php. Est-ce que pas... Ah si, j'ai un php info.php. Ah, voilà. Je voulais ça. Allez, php info.php. Non, il est pas... Ah, d'accord. Bon, allez. On va lui faire plaisir. C'est juste pour qu'on ait un truc pour finir le stream. Pour que ce soit... comment dire? Pour qu'on ait un truc visuel, vous voyez. Il serait en config.inc.php. Allez. Bon, de toute façon, il va pas se connecter à la database. Voilà. De toute façon, il n'y en a pas. Non, il en veut toujours pas. Ah oui, login.php. Mais le PHP info... Ah non, il veut se loguer, hein. Ah, il fait un... Allez, bon, ce qu'on va faire, php info, hop, en info.php. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Voilà, ça va juste être une page de php info, tout ce qui est plus classique. Voilà. Comme ça, au moins, là, on a pu voir... fonctionne. J'ai un Apache et j'ai un PHP via Ansible en utilisant, j'ai envie de dire, les rôles de la communauté. Voili voilou. Donc, à partir de là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être se dire que ça va être l'heure de committer tout ça. Alors, le truc, c'est que je suis sûr... Alors, j'ai toujours... Ouais, c'est... Ah, ça va être un peu de comique, là. Git status. Qu'est-ce que j'ai de... Alors, les rôles. Ok, alors je vais la faire gorée. Hein. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ça. On va faire un petit rsync. De ISP, ISP1, VPS1. Hop. Je tiens à préciser qu'il y a normalement des manières un petit peu plus propres, hein, de faire ça. Je me crois dans le TMUX alors que je suis pas dans le TMUX. Et on a dit Ansible role DVWA. Hop. Voilà. Alors. Ce
Ça, c'est tous les fichiers de backup de Vim, donc on va les effacer. Histoire que ce soit propre. Ok. Et on a... Voilà, on a ça. Il y a la partie de Jeff Gerling. Je sais pas trop comment... Ah, remarque, il y a un... Bon, pour le moment, je vais committer dans cet état-là. Voilà. Voilà, comme ça, c'est sur le repo public, sur GitHub. Comme je vous avais indiqué en début de stream, je vais quand même vous le remontrer. Hop, sur la page, je vais vous redonner le lien. Hop là. Comme ça, vous pouvez aller voir mon code. Bon, comment dire? Hop là. Non! Je vais faire un petit... Voilà. Vous pouvez du coup voir ce que j'ai rajouté ce soir. Alors, j'admets volontiers que c'est pas ultra propre. Il y a pas mal de duplicats, notamment sur la partie Nginx. Je pense qu'à un moment, on fera peut-être de la factorisation. Peut-être que je sortirai mon truc de ce dépôt. J'irai le mettre ailleurs. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Pour le moment, on essaye déjà de faire des choses qui fonctionnent. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, moi, je vais revenir comme ça. Et je pense que pour ce soir, il va être temps de conclure. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis content. On avance un peu sur le truc. On fera sans doute d'autres applications web. Hein. Là, j'ai pris DVWA parce que je pense que ce sera amusant. Ensuite, d'ajouter en infrastructure ASCODE diverses protections. Et du coup, on pourra envisager de le faire en ayant cette application-là à protéger. Je pense que ce sera amusant. On pourra aussi essayer d'installer d'autres CMS en se basant, pourquoi pas, sur la conf qu'on a créée. Et donc, ce sera peut-être à ce moment-là le bon moment pour factoriser, parce que je ne vais pas juste faire cp-rvp. Est-ce que ça va installer Naxi via Ansible? Alors, pour l'anecdote, figure-toi que... alors, c'est une surprise que j'ai eue. Je crois que si je vais sur la machine, justement, ISP3 VPS2... Donc, je vais repasser tout de suite sur le truc-là, comme ça. Hop. Si je fais un petit rpm-qa pipegrep Nginx... Donc là, je suis sur le Nginx des repos officiels Fedora. Et si je fais un petit DNF search Naxi, je crois qu'il y est. Il y était en Fedora 35 de mémoire, alors j'espère qu'il a été... Oui, il y est. Voilà, nginx-mod-naxi. Alors pourquoi est-ce que PTX Live fait référence à Naxi? Naxi est un web application firewall open source, édité par la société NBS System. Donc je suis actuellement employé et puisque PTX Live s'est doxé tout seul tout à l'heure, et ben lui c'est un alumni. Et donc c'est un peu une petite fierté dans les parages, on va dire. Par contre, ce qu'on peut aussi envisager, je crois, c'est mode security. Comme ça au moins, il n'y a pas de jaloux, je veux pas faire de favoritisme. J'ai une opinion, hein. J'ai une opinion. Et donc, on a du mode security. Voilà. Alors, PTX Live, quand tu dis le ref, c'est-à-dire que pour toi, les gens vont installer Naxi quand ils veulent installer un Nginx avec un WAF, eh ben, figure-toi que je n'en ai pas l'impression. Je pense qu'aujourd'hui, quelque part, le standard
le standard quand tu veux installer un WAF en open source, c'est Mode Security. Et Mode Security a été porté pour Nginx. Bon, là, il y a écrit Apache 3 Connector, enfin V3 Apache Connector. Mais je, alors, si ça se trouve, il a pas été packagé pour Fedora dans sa version Nginx. Mais oui, tout à fait, PDX Live. À une époque, il n'y avait que Naxi, et puis en fait, Mode Security est arrivé. Et comme je pense que beaucoup de gens avec Apache utilisent Mode Security, je pense que pas mal de gens, par habitude, ont continué d'utiliser Mode Security. Du coup, alors je vais revenir comme ça. Hop. Oh tiens, je suis content, le chat n'a pas l'air de trop galérer ce soir. Bien, si jamais vous voulez voir la suite de ces aventures-là, comme j'ai indiqué dimanche dernier, malheureusement, jeudi prochain, je ne serai pas disponible pour continuer ça. Donc ce sera le jeudi, normalement le jeudi d'après, si je dis pas de bêtises, à moins que je sois encore... Alors, jeudi prochain, c'est pas garanti en fait. Donc je vais pas me mouiller. Je vais pas vous dire à jeudi prochain pour la partie la base code. Peut-être que ce sera jeudi prochain ou plutôt le jeudi d'après. Donc ça nous emmène quand même au 29 septembre, mine de rien. On verra si du coup je change mes plans sur le stream de dimanche prochain, qui normalement est consacré à du Kubernetes, où je tente ma chance en faisant Kubernetes The Hard Way. Ce qui justement est un peu difficile, si vous, pour celles et ceux qui ont suivi dimanche dernier, c'est un peu comique. Mais donc, généralement, quand je stream le jeudi, c'est de 20h à 22h, et sinon j'ai un deuxième stream les dimanches de 18h à 20h. Donc le jeudi, plutôt en ce moment infrastructure as code, plus gestion de conf déploiement, et le dimanche plutôt conteneur Kubernetes. Sinon, donc vous pouvez retrouver ces vidéos en replay pendant au moins 2 semaines, voire plus si vous êtes Amazon Prime. Sinon, les anciennes vidéos au bout d'un moment sont remises sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez normalement toutes les informations en dessous dans les liens de la chaîne. Voilà, voilà. Alors avant qu'on se quitte, je vais vous proposer, je sais pas où est-ce qu'ils en sont chez Rancune, que alors ils ont l'air d'être encore dans les parages, on dirait. J'ai mis son stream en fond d'écran, enfin en onglet secondaire sur une autre machine. Et a priori, ça bosse dur ce soir chez Rancune. Il y a des jolis dessins. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on aille lui faire un petit coucou, parce que c'est un peu la tradition du jeudi soir. C'est d'aller le voir quand on a fini. Allez, zou, on va raider. Et moi, je vous dis bonne fin de soirée. Hop là, allez, Rancune. Et ciao, ciao. Allez hop, je start le raid. Et c'est parti. Allez.